Le président de la République du Cameroun est au centre de la création du programme Agropole. Le diagnostic présidentiel s'avère plutôt probant. Il faut opérer un retour dans le temps pour s'en convaincre. En janvier 2011, donc, se tient le comice agropastoral des Bolova. Le président Biya fait des constats. Les jeunes dépeuplent les villages dans un processus d'exode à plaindre. La campagne abrite une population plutôt vieillissante. Elle produit ce qu'elle ne consomme pas. Même l'inverse désole. Le monde rural consomme ce qu'il ne produit pas. Or, la ville a besoin de manger. Elle court ainsi le risque de crever de faim si la désertion des campagnes prospère, et surtout si les villages continuent de se contenter des rudiments d'outils agricoles comme les houes et les machettes pour cultiver la terre. C'est alors que le président Biya instruit l'élaboration d'un outil pratique à même d'opérer le transfert d'une agriculture de subsistance à une qui soit industrielle, deuxième génération donc, assortie d'une obligation de mécanisation à haute intensité de main-d'œuvre, à l'effet de fixer la jeunesse dans les campagnes. D'où la création du programme Agropole, un an seulement après la tenue du comice agro-pastoral des Bolova. Celui-ci représente l'un des volets physiques du document de stratégie pour la croissance et l'emploi en matière de développement rural. Les résultats en 2017, soit 5 ans après sa création par le premier ministre chef de gouvernement, sont dignes d'éloge. Une impression nette du 2035 agricole. Les exploitations familiales sont passées de mode. La houe et la machette cèdent à une exigence de mécanisation. Elle impose de professionnaliser les postes de travail, même en brousse. Les tracteurs remuent ciel et terre. On déroule les modules de cours. Les cours, il y a les cours pratiques et les cours théoriques. Les cours théoriques, c'est 30% et les cours pratiques, c'est 70%. Et ils ont aussi des heures creuses où ceux qui ne comprennent pas, on reprend même... Pendant les jours fériés, les samedis, on travaille ici, les dimanches, on travaille ici. Ce qui fait qu'au bout de quelques mois, tout le monde est au même niveau. Nous avons des cours que nous avons reçus sur la connaissance des tracteurs et des outils, les attelages des outils et leur utilisation, l'entretien des tracteurs et même la gestion des consommations quand nous serons déjà en train de les utiliser. Nous avons aussi eu des cours théoriques sur le choix des tracteurs en fonction des activités que nous aurons à mener sur le terrain. Et pratiquement, sur le terrain, nous savons déjà atteler des outils tels que le cultivateur, qui est un outil qui sert au défrichement mécanisé. C'est-à-dire que ça dessouche les herbes avant qu'on commence les labours. Il y a un outil qu'on a aussi utilisé, le gyrobroyeur, pour découper les herbes après que le cultivateur soit passé. Ça défriche, ça fait comme une patte d'herbe pour que le laboureur, qui est la charrue à trois disques, passe sans problème. Ce matin, on est en train de faire un exercice, la phase pratique, avec les apprenants en conduite des tracteurs. C'est une phase pratique qui concerne d'abord, le défrichement, les labours, le pulvérisage et les semis avec le semoir. Parce qu'après le labour à trois disques, la terre est en motte. Il y a des mottes de terre qu'il faut encore émietter. C'est là que nous avons utilisé le pulvériseur pour mettre le champ à plat s'il s'agit par exemple d'une culture comme le maïs ou le haricot. Mais s'il faut faire des cultures comme le manioc ou... l'igname, on constitue le champ plutôt en planche. On utilise une bionneuse pour faire des bions, pour que les tubercules puissent s'enfouir dans le sol. Et comme nous avons engagé l'expérience sur la culture du maïs, nous avons aussi attelé un semoir pour apprendre. Nous sommes très satisfaits de cette cuvée. Ils sont assidus, ils comprennent et ils se donnent totalement à cet exercice. Faire participer tout le monde. Dans leur groupe,
il y a ceux qui ont le permis B, ceux qui ont le permis C, ceux qui ont même le permis CE. Mais la conduite des engins agricoles, à la fin de la formation, ils se préparent à présenter le permis G, qui est le permis pour les engins industriels, pour que tout le monde ait le même niveau. On essaie donc de faire rattraper ceux qui n'ont jamais conduit et qui vont non seulement présenter le permis G, mais ils vont d'abord présenter entre-temps le permis B. Nous sommes à la deuxième cuvée d'apprenants issus des agropoles, supervisés par le programme Agropole. Et cette collaboration est quelque chose de très important pour l'école. Ça nous donne l'occasion d'accroître notre impact sur le terrain. Parce que, comme vous le savez, notre rôle ici, c'est de permettre que la production agricole soit supportée par des professionnels dans le cadre de la volonté de notre chef de l'État d'aller vers une agriculture de seconde génération. Il faut bien des professionnels bien formés. Et pour le cas précis de cette collaboration, ça a accompagné les agropoles en leur fournissant la main-d'œuvre qualifiée pour non seulement utiliser ces engins, les engins agricoles, mais également pour les entretenir. Depuis que nous avons établi ce partenariat avec l'école pratique de l'agriculture de Bingala, nous avons moins de casse sur le terrain. L'agriculture de seconde génération reprofile le statut du cultivateur. L'évolution commence par le costume. Il ne s'agit plus de l'image d'un paysan, c'est davantage un personnel en combinaison de ferme. En effet, le champ devient un chantier. Il représente le site de mise en œuvre d'un projet structurant de soja, de manioc. C'est un emploi direct parce que, après notre formation, il y a déjà une dotation en tracteur dans le cadre du financement des trois agropoles du Noun. Les agropoles avocats du Noun, maïs du Noun et maïs de Holy Grain. Et au-delà de cela, il n'y a que les tracteurs que nous avons déjà, les Sonalika D75, qui est une dotation du programme Agropole à travers le Minepat et l'État du Cameroun. Ça, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup pour nous parce que ça nous aide à être employés, ça nous aide à utiliser nos propres exploitations et ça nous aide aussi à contribuer à la mécanisation de l'agriculture dite de seconde génération. La terre, première valeur ou investissement agricole, existe en lots arables. Leur exploitation exige des hommes et des femmes formés. Ce sont les tractoristes, notamment les indispensables de l'agriculture motorisée. Ils insultent la performance de la main humaine. Le minimum, c'est 1 hectare/jour. Donc, par semaine, je suis, comme il y a un jour de repos, il y a 6 hectares/jour. Quand il faut aller au-delà, c'est 14 hectares/jour. Donc là, quand le champ est bien préparé, on peut faire 1 hectare en 4 heures de temps. La formation de Bingala m'a apporté certaines notions que je suis en train de développer sur le terrain. Bon, actuellement, je peux dire que je suis déjà très développé par rapport à la formation. Mais ça m'a donné des notions, ça m'a montré vers où je dois aller. Un tractoriste, il gagne sa vie en fonction, en fait, c'est en fonction de sa capacité de travail. Si vraiment il s'exerce normalement, les souches là, il faut savoir les esquiver parce que les machines ne sont pas appropriées pour ce genre d'activité. Un peu de dérapage, tu vas cogner quelque part et après tu vas casser ou bien un flexible s'est coupé. Les tracteurs qui sont là, on les utilise en sous-capacité. Ils peuvent également prester chez les autres personnes. Les tracteurs deviennent merveilleux au moment de procéder au labour. Le résultat de la mécanisation, couplé à la professionnalisation des postes de travail agricoles, aboutit à des résultats dignes d'intérêt. L'année passée, on était à 18 000 tonnes de production avec les paysans. Et cette année, nous comptons avec l'augmentation de l'adhésion des agriculteurs qui sont à 16 000. Nous comptons aller, d'après nos estimations, au mois de novembre, parce que c'est au mois de novembre que la récolte commence, nous serons à 35 000 tonnes de soja. Nous avons produit et nous produisons du soja d'abord à Mogodé, à Mokolo,
mais également nous sommes à Nganha, au niveau de la Damawa actuellement. Nous sommes ici dans le site de production de l'agropole de soja de Sopoakam, où 1000 hectares sont mis en valeur. Et actuellement, avec la rotation de culture que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de faire la maintenance des semences pour la campagne prochaine. On a 50 hectares qui sont en semences, comme vous le voyez. Et en milieu paysan, cette année, nous sommes à 17 000 hectares avec les communautés, dont 16 000 paysans sont dans l'agropole soja avec nous, 3 000 producteurs à Mogadé, Yaloma, Chanaga, Mokolo, et 13 000 dans la Vina et dans le Maguire. On a reçu du programme Agropole des subventions relatives à l'exécution des activités de production de soja sur le terrain. On a reçu la subvention en 2012 à Mokolo, on a reçu en 2013-14 pour Ngaoundéré, pour la Vina. C'est la guerre contre Boko Haram qui nous a conduits dans la Vina, parce que quand on a lancé en 2012 dans le Maro-Chanaga, c'était bien parti, mais la production, les producteurs ont abandonné les exploitations et se sont retrouvés dans les villes pour être en sécurité. Et ça a affecté l'agropole de Maro-Chanaga. C'est pour cela qu'on a fait une deuxième demande pour être plus à l'intérieur du pays, dans la Vina, dans le Maorai. L'agropole, d'abord, ça réduit l'importation de tourteaux de soja. Et puis, ça réduit le flux, la fuite des capitaux. Il y a aussi le fait que ça régule la production de tourteaux au niveau des agriculteurs, au niveau des éleveurs, parce qu'il n'y a plus de rupture de stock sur le terrain. Quand c'était l'importation, il y avait souvent des ruptures, on vous disait qu'il n'y a plus de soja et le prix montait. Mais avec la présence de l'agropole soja, non seulement le prix a baissé, il y a eu beaucoup de création d'emplois. Il s'agit d'une moissonneuse batteuse de marque Massey Ferguson, d'origine brésilienne. Oui, elle est une hybride, donc elle permet à la fois de récolter du maïs et du soja. Elle peut permettre de récolter jusqu'à 50 hectares en une seule journée de travail. Nous sommes dans une exploitation de 2000 hectares. Il faut des engins vraiment performants pour pouvoir répondre aux exigences du travail. Dans un premier temps, le nombre d'employés relève de l'inhabituel quand ce sont vraiment des ambitions d'agriculture de seconde génération. Quand je vous dis qu'on a 16 000 sojaculteurs qui sont avec nous, d'emblée, vous voyez, ça, c'est les bénéficiaires directs. Et tout autour, il y a les familles. Il y a les activités aussi annexes dans le transport. Les cadres aussi qui sont les nous autres, qui sont dans l'activité. Chacun trouve son compte dans cette activité. Voilà. Donc, l'impact est réel. Si vous voyez, le niveau de vie a considérablement changé sur le terrain. Voilà. Les gens sont épanouis avec les nouvelles constructions, le taux de scolarisation qui a aussi monté en s'aidant des familles. La moissonneuse, bien que ce soit un engin mécanique, n'est pas parfait. Pendant la récolte, il y a des pieds de maïs qui tombent au champ, il y a d'autres qui sont ratés, ainsi de suite. Et c'est une quantité qui n'est pas négligeable. Du coup, il y a des moments où on en vient à récolter jusqu'à 300 voire 400 personnes pendant les récoltes pour circuler dans les champs et ramasser ce maïs. Donc ça permet justement aux gens du village pendant ce temps de profiter, de pouvoir gagner un peu d'argent. Et par la suite, il y a d'autres avantages dont ils bénéficient parce qu'après un temps, on leur donne même la possibilité de rentrer dans le champ et de ramasser ce qui reste pour leur propre maison. Le résultat de l'agriculture industrielle par la suite parle par la force de ses chiffres de production. Le soja dans la région de la Damawa le confirme. Plus de 10 000 sacs de soja séjournent dans ce magasin. Ce magasin a une capacité de 12 000 sacs. Donc, à l'heure actuelle, il y a 10 500 sacs dedans. On est stocké comme ça, là. Après le stockage, on évacue tous ces sacs à Douala pour transformer ce soja en huile et en tourteau.
La production provient en partie de l'agropôle soja. Il se déploie sur des surfaces à respecter. Il y a 10 500 sacs de soja ici, ce qui fait un total de 100 000 tonnes. Ça vient des coopérateurs, nous travaillons en coopérative. Donc on a presque 600 membres, ce qui couvre environ 31 villages. Donc en voyant même ce magasin, on trouve que ce magasin a une capacité de 12 000 tonnes, 12 000 sacs, mais ce qui est tellement très petit pour la prochaine campagne. L'agropôle préfinance et rachète toute la production des riverains. Même pour construire, c'est déjà quelque chose. Tu envoies les enfants aussi à l'école. Quand je ne faisais pas avant, je n'ai pas encore commencé à construire et maintenant j'ai commencé à construire des maisons. Depuis l'arrivée du soja dans notre secteur, nous avons beaucoup réalisé des choses. Nous inscrivons nos enfants à l'école. Nous parvenons à résoudre nos problèmes sanitaires et nous construisons, nous sommes un peu à l'aise. Si vous faites un bon champ, vous pouvez réaliser des fois même 20 millions. Notre production du soja est totalement prise par notre partenaire. La fois dernière, j'ai fait 2 hectares. J'avais un rendement de 4 tonnes. Et c'est ça qui m'a encouragé d'augmenter la surface cette année. J'ai à raison de 3 hectares. J'avais eu 580 000. J'ai construit les 3 bâtiments là avec, donc les enseignants et les élèves qui ont loué ça. Quand nous vendons les soja, on construit les maisons, certaines payent des motos et certaines payent des machines à décortiquer le maïs et aussi à décortiquer les arachides. Et ça nous aide beaucoup dans la scolarité de nos enfants et ça nous aide encore de plus à faire l'élevage. Lorsque la tranquillité qui est en train de s'installer sera là, nous allons revoir de fond en comble le projet. La culture du soja transforme des vies. Cette transformation des vies s'opère en amont. Il s'agit de l'amélioration des conditions de vie des cultivateurs. Ils sont engagés dans la production du soja. Cette amélioration affiche un visage encore plus reluisant en aval. Une visite à l'usine de transformation de Yato, à Douala, dans la région du littoral, conforte l'idée du progrès des citoyens en termes de bien-être. Les femmes sont très bien traitées, respectées. Et nous, on trouve notre place. Bon, lorsque nous travaillons, nous retrouvons là à travailler tard, il y a une voiture qui est mise à notre disposition pour le retour. Nous avons créé à peu près 80 nouveaux emplois. Repartis aussi bien au niveau de l'unité de production qu'au niveau commercial ou au niveau de la gestion des ressources humaines. Tous les employés, dès qu'ils ont passé leur visite systématique, sont affiliés à la CNPS. Nous faisons 90 tonnes jour lorsque nous produisons en plein régime. 90 tonnes jour. En termes de production d'huile, nous sommes autour de 20 tonnes jour. En termes de production de tourteaux, nous faisons 75 tonnes jour, graines de soja 90 tonnes et huile 20 tonnes. Il n'existait pas une unité moderne qui produisait du tourteau de soja et extrait et faisait l'extraction de cette huile. Donc actuellement, au Cameroun et en Afrique centrale, nous sommes les seuls qui le faisons. Nous commençons par peser, prendre le poids du camion chargé. Une fois que nous l'avons, nous le convoyons vers l'unité de tri. Au niveau de l'unité de tri, nous effectuons l'élimination de tout ce que les sacs ont comme déchets, c'est-à-dire les graines, les cailloux, les pulpes et la poussière. Tous ces déchets sont éliminés au niveau de l'atelier de tri. Après l'atelier de tri, ces graines sont stockées au niveau de nos silos que nous avons à l'arrière du bâtiment. Nous avons tous un silo. Après le tri, nous procédons à l'acheminement de ces graines triées vers l'unité de pré-traitement. Au niveau de l'unité de pré-traitement, nous effectuons une nouvelle vérification. Nous avons fait un tri à l'arrière, mais nous effectuons un nouveau tri au début du processus. C'est-à-dire qu'on élimine
le peu de déchets qui a réussi à frayer un chemin après la première opération. Après le tri, nous effectuons le broyage. Le broyage consiste à concasser la graine en quatre parties, ce qui permettra de faciliter la cuisson par la suite. Car une fois que la graine est fragmentée et conduite au niveau de notre cuiseur, nous effectuons le processus de cuisson à travers un équipement que nous appelons en interne le cooker. Ce cooker est un équipement dans lequel nous faisons passer de la vapeur à travers une double enveloppe. Et cette vapeur amène les graines à une température autour de 80 à 90 degrés pour faire la première étape de cuisson. Après la première étape de cuisson, nous procédons au laminage. Nous transformons la graine en feuillet. C'est-à-dire nous avons deux grands rouleaux qui permettent d'aplatir la graine et on obtient des petits flocons sous forme de feuillet. Ces feuillets permettent de fragiliser la structure même de la graine qui par la suite va permettre d'extraire rapidement et avec un meilleur rendement l'huile contenue dans la graine. Après le processus de laminage, les graines laminées sont acheminées au niveau de notre extrudeuse. Au niveau de l'extrudeuse, nous parachevons ou alors nous continuons le processus de cuisson en éliminant les toxines qui sont présentes dans le soja et en terminant et en améliorant également la cuisson. Et cela s'effectue en injectant de la vapeur. Cette vapeur qui par la suite va être éliminée à l'équipement qui suit, qui est le sécheur. Ce sécheur va aligner toute la vapeur qu'on a injectée et l'ensemble est ensuite convoyé vers l'atelier d'extraction. C'est l'atelier d'extraction maintenant que nous allons extraire l'huile de soja. Là-bas, c'est tout un autre processus parce que nous effectuons au niveau de Sokoïkam une extraction chimique, contrairement à l'extraction physique que la majorité de producteurs artisanaux utilisent. Nous faisons l'extraction chimique, c'est-à-dire nous utilisons un solvant qui nous permet d'extraire de l'huile et nous avons des meilleurs rendements. Nos clients sont repartis un peu dans tout le triangle national, mais plus précisément, la grande partie se retrouve au niveau de l'ouest du Cameroun, parce que c'est là où nous retrouvons beaucoup plus de fermiers et ensuite vient le centre. Voici les deux grands pôles où nos produits sont écoulés. La plus belle victoire du soja, c'est le fait de permettre au Cameroun de gagner des devises. Actuellement, il y a moins d'inflation, c'est-à-dire que nous, les prix sont un peu plus stables. C'est-à-dire que les prix ne montent pas jusqu'à 24-25 000 comme avant. Maintenant, les prix, avec la concurrence, les importateurs arrivent à stabiliser les prix au niveau du fermier moyen. Autant le soja prospère, autant les pommes de terre séduisent. L'agropole éponyme fait vraiment des merveilles. Même dans la région de l'Ouest, le regard se perd au loin. La verdure s'accompagne d'une expression de beau à admirer. La pomme de terre, nous voulons qu'elle ne soit plus un produit de luxe. On a beaucoup de sites. On a commencé par Bouddha. On est à Galim, on est à Baganté, on est à Bansoa. Mais nous sommes ici là dans le site de Bafou Pastoral, où, comme vous voyez, on a cultivé 48 hectares de pommes de terre. À l'heure actuelle, ce qui est au champ actuellement encore en production, c'est 48 hectares. Mais vous avez vu en route que les récoltes continuent et que les gens chargent pour aller dans nos marchés. La production de l'année doit osciller autour de 66 000 tonnes actuellement. On est à 20 hectares pour cette année. La semence est bien, dont la production a triplé. On a déjà récolté 85 tonnes sur 2 hectares. Il reste 18 hectares. Comme cette année, nous allons encore aménager la route. On va encore construire un magasin. Et on a déjà creusé les pierres, on a déjà 10 camions de pierres.
Et on pense aussi acheter les tracteurs, les semoirs, et aussi ce qu'on va récolter, la machine pour récolter, il nous faut aussi ça. Il nous faut aussi une voiture de 12 tonnes parce que nous n'avons pas le camion. Il nous faut aussi un pick-up creusé de forage. Si avec les machines, on devrait même arriver à un niveau de 50 hectares par an. On attend, dis-moi, parce que vous voyez qu'ici c'est encore vert. On ne veut pas récolter ceci. On attend ceci. Quand la fête est prête à finir, ça va encore faire 2 mois, 1 semaine avant qu'on récolte. On est à ce niveau grâce à l'agropomme, pomme de terre, parce qu'ils nous ont donné un tracteur avec aussi un motopompe et aussi les accessoires pour travailler dans les champs. Ils nous ont donné la semence cette année, on est tenté de multiplier et ça donne bien. L'un des défis de l'agropole concerne la semence, elle est française. Il faut surtout la conserver et la multiplier. Notre agropole a d'abord un volet semencier. Dans un premier temps, l'agropole et nous, on a d'abord préféré investir sur le volet semence pour qu'on ait le matériel végétal qui peut apporter un rendement élevé et qui peut aussi apporter la qualité. Vous savez qu'il y a des variétés qui ne donnent que 18-20% de taux de matière sèche. Vous ne pouvez pas utiliser ça pour faire les farines de pommes de terre comme nous voulons faire. Il y a d'autres variétés qui vont jusqu'à 38% de taux de matière sèche sur 1 kg pour faire la farine. Vous voulez faire l'amidon, il y a des variétés pour faire l'amidon. En Europe, la pomme de terre germe en 15 jours dans les unités de pré-germination. Ici, nous attendons 3-4 mois encore pour que ça germe selon les variétés. Nous sommes en train de... On a presque fini. Il manque seulement l'énergie électrique là-bas pour qu'on puisse déjà pré-germer la semence comme en Europe en 15 jours grâce au programme Agropole. Je produisais 30 tonnes de semences, mais avec l'arrivée de l'Agropole, je produis actuellement près de 90 tonnes. Et ça m'a permis de payer la scolarité de mes enfants en vendant cette semence au multiplicateur de la pomme de table. Dans le sol ici, pour piocher 1 hectare, un ouvrier ne fait que 10 mètres au trot par 20 par jour. Il faut piocher, piocher, piocher. Ça veut dire que pour faire 1 hectare, vous avez besoin, pourquoi pas, d'une cinquantaine de personnes sur 1 seul hectare. Il faut déjà les trouver pour faire 1 hectare par jour. Le tracteur fait ce travail en 4 heures du temps. On manque seulement les pommes pour vendre. Il y a les Gabonais qui viennent, les Congolais qui viennent, les gens de Douala, Yaoundé, ils viennent. Et même en 10 mois, peut-être au moins 4 personnes vont venir terminer tout le pomme là. Et certains vont venir, on va dire qu'il n'y a pas de pomme. Si l'État nous aide, les appareils, on va transformer. Nous attendons l'État. La culture des pommes de terre a transformé ma vie. Parce qu'au départ, j'étais à 50 tonnes de production. Avec l'Agropole, je suis aujourd'hui à 100 tonnes par saison. Je veux continuer dans la production des pommes de terre parce que dans notre projet, nous pensons à la transformation des pommes de terre. Et pour atteindre notre objectif, nous devons produire davantage les pommes de terre. J'ai réalisé beaucoup de choses, j'ai eu beaucoup de bénéfices dans la production des pommes de terre. D'abord, j'ai changé mon cadre de vie. Aujourd'hui même, je roule dans une grosse voiture. Ce travail m'a permis de marier une femme et envoyer les enfants à l'école. Et je me suis construit un bon bâtiment de domicile. Et je paye les élèves à l'école. J'ai acheté une moto pour le travail. Je compte que dans ma vie, ça va me soulager. La main d'œuvre nous coûte un peu de souffrance. Je suis dans la culture des pommes de terre depuis 2005. Et avec l'avènement de l'Agropole pommes de terre, je me suis amélioré. Je suis passé de 15 hectares à 50 hectares et même plus. Avec tout ce que ça m'a rapporté,
Je me soigne parce que déjà je suis retraitée, je me suis convertie donc dans les pommes de terre définitivement. Et bientôt, j'ai un projet de construire une maison pour les enfants au village. Les éléments de réussite de ce champ par rapport aux autres champs que nous avons sur d'autres sites, c'est qu'il est en altitude et c'est des domaines de prédilection de la pomme de terre. La production est extrêmement grande. Elle est extrêmement grande. Nous avons vu tout à l'heure une pomme qui donnait plus de 20 et puis c'est des très gros tubercules. Tant déjà assez bien, ce qu'on peut faire, c'est l'équiper davantage. En termes de rendement à l'hectare, je peux dire qu'aujourd'hui, même si hier nous n'avions pas ce rendement, avec l'appui du ministère de l'économie à travers le programme Agropole, nous arrivons aujourd'hui à faire les 40 tonnes sur un hectare. Le gouvernement de la République nous a donné, j'ai dit, 13 tracteurs agricoles. Les enfants vont maintenant là en ville pour conduire les motos et tout. Vous avez un problème de main-d'œuvre, vous vous trouvez où? Il faut aller à la mécanisation agricole. L'État du Cameroun a mis une quarantaine de millions, rien que pour régler le problème de l'irrigation. Pour que quand la pluie part là, qu'on n'arrête pas la production. Donc nous allons produire toute la saison sèche. Le système d'irrigation est là pour pallier aux irrégularités des pluies, ça veut dire comme le climat dérange actuellement, mais pour nous permettre encore de continuer à produire pendant la saison sèche. Nos projets pour 2018, c'est l'accroissement des surfaces. Pourquoi pas doubler, ne pas doubler les surfaces que nous faisons actuellement. Et c'est de faire aussi que notre unité de pré-germination soit opérationnelle. Et en termes de superficie pour 2018, nous pensons que nos prévisions peuvent nous porter la surface à près de 600 hectares par cycle de culture. L'agropole pomme de terre de l'Ouest contribue efficacement à la réduction du chômage. Nous avons recruté des agronomes qui suivent les champs. Les jeunes qui ont fait 5 ans d'université, il fallait trouver du travail pour eux. L'université de Tianqi croit en ce que nous faisons est un témoignage palpable qui nous a concédé 117 hectares. Tous les travaux qu'on fait dans le village là, et avec la convention que nous avons avec l'université de Tianqi, nous expérimentons le job étudiant pour permettre aux jeunes étudiants d'avoir un peu d'argent pour leurs besoins. Nous sommes au moins à 6 cadres supérieurs. Ça veut dire que les enfants sortis des universités du Cameroun, nous sommes à 6 cadres. Nous sommes à 13 conducteurs d'engins que nous avons recrutés. Et pour les jeunes étudiants, nous comptons une centaine qui sont dans nos champs régulièrement. Le partenariat avec les universités nous permet de lever les goulots d'étranglement. S'il y a un problème scientifique qui nous dérange, par exemple là, ces questions même de pré-germination, là, les questions de transformation, les questions de fertilisation, nous faisons appel à ces universités-là. La commercialisation des pommes de terre connaît plutôt une orientation vers l'extérieur. La sous-région confisque la production. En réalité, la demande gabonaise arrache l'exclusivité de la production. Ceux qui veulent de la pomme, les distributeurs, doivent aller vers les producteurs qui sont sur les montagnes, qui sont sur les plateaux et autres. Comment se fait-il que les gens partent du Gabon et sont au courant qu'on produit la pomme de terre à tel ou tel endroit? Le planteur est un homme rationnel. Il produit, c'est pour se faire de l'argent. Mon rôle à l'agropole pomme de terre, c'est que je vends les pommes de consommation dans les grands hôtels de Yaoundé, dans les sites universitaires et dans nos marchés. Nous ravitaillons les femmes, les paniers de la ménagère. L'année passée, les pommes étaient tellement chères. Bon, cette année, il y a eu beaucoup de pommes de terre que les pommes ont un peu coûté moins cher cette année. Le saut de pommes même, on a vendu à Tian cette année à 2000 francs. Et l'année passée, c'était à 3500. Il y a d'autres pommes qui s'appellent Rosanna, qui est plus farinée. Quand on fait le pilet avec, ce n'est pas mou. Et d'autres qu'on appelle le Doza,
qui est bon pour les bouillons pommes, pour les chips de pommes, et le pilet rouge qui venait de sortir sur le marché. Donc quand on fait les frites de pommes avec, c'est très bon, c'est aussi fariné. Hein? Et aussi le haoujan. Le haoujan, c'est un autre style de pommes. C'est aussi fariné. Et d'autres gens préfèrent ça parce qu'on peut aussi faire toujours le pilet avec. Heureusement, les ménages gardent des parts de marché. Les pommes de terre s'y mangent à toutes les sauces. C'est facile à préparer. On peut préparer ça de plusieurs manières. Mais seulement, il y a plusieurs qualités. Il faut savoir ce que l'on veut. Oui, il y a par exemple le spira qui est des pommes qui sont un peu mous. Oui, il y a les pommes rouges avec des trous. Ce sont des pommes qui sont faciles à préparer. Par exemple, quand on veut faire les sautés avec le poulet, avec la viande, je peux prendre les pommes du village. La semence est tout aussi heureuse à Batouri. 157 hectares de manioc à perte de vue. La croissance qualitative et la verdeur d'éclat présupposent la sollicitation des services des agronomes chevronnés en prestation de services. Nous avons réalisé 157 hectares de champs de production et on a 11 champs semencés pour 33 hectares. Et comme vous voyez, le manioc est mûr suffisamment. Donc voilà ce que nous avons réalisé grâce aux 4 tracteurs que vous nous avez donnés gracieusement l'année dernière, qu'on a pu faire ces réalisations. Au-delà des 157 hectares, nous pourrons en cours d'année et chaque année ou alors chaque campagne avoir un minimum de 200 à 500 hectares. L'agropole manioc de Batouri fait la promotion de 4 variétés. Ce sont des variétés dites de transformation qu'on peut transformer en cossette, en gari, en amidon. Les cossettes, c'est du manioc. Après la récolte, on fait le trempage. Le trempage, on sèche, ça donne des cossettes. La mouture permet d'avoir la farine qu'on utilise comme couscous. Nous avons du manioc presque à maturité, dont le rendement escompté est en moins de 25-30 tonnes à l'hectare. C'est un manioc d'une variété très résistante aux maladies. C'est précoce également, parce que nous sommes là dans des champs qui ont 12 mois. À 12 mois, on a déjà atteint la pleine maturité et nous programmons déjà la récolte à partir du mois d'octobre. Nous avons exploité pour la culture du manioc, comme vous voyez si bien, compte tenu du fait que les terrains étaient déjà acquis auparavant et qu'on avait d'autres ambitions par rapport à ces terrains qui étaient futuristes. Mais une fois que la culture du manioc est arrivée, elle nous a intéressés. On nous a fait part de cette culture, bon, nous avons essayé. Ici, on a presque 2 hectares, comme vous voyez là. Bon, il y a l'autre espace d'en haut, qui est presque 1 hectare aussi et demi qu'on n'a pas exploité. Nous sommes à presque 1 hectare et demi, plus d'un hectare et demi. On avait déjà l'avantage que la structure de la coopérative nous avait avantagé avec les tracteurs qui ont fait le travail mécanique, comme vous voyez. Nous n'avions plus besoin de défricher avec la main de locale qu'on a empruntée pour nous donner un coup de main. Nous avions défriché parce qu'auparavant, on avait déjà mis auparavant le maïs pour maintenir le terrain. Là, il était juste question de nettoyer et les engins ont fait le reste. Nous avons employé dans ce chantier plus d'une vingtaine de personnes. Parce qu'il était question de planter. Et nettoyer, on a nettoyé par 2 fois. C'était en expérimentation. Bon, maintenant que étant déjà vers la récolte, nous attendons le signal que la coopérative va nous donner pour que nous fassions une récolte et en même temps avec les boutures que la coopérative bien sûr nous a donné. Hein. C'est la coopérative qui nous a donné ces boutures. Je m'en donnais, nous n'avons dépensé aucun sou pour ça. Donc, nous respectons le chronogramme qu'ils vont mettre pour les récoltes. C'est vrai que ça n'a pas encore atteint la maturité, mais une fois on s'est amusé là quelque part à enlever,
On a pu avoir une bouture qui faisait... Bref, le manioc qui est sorti d'une bouture était dans les 25 kilos. La production, nous comptons la mettre à disposition de la coopérative qui va se charger de nous acheter cette production et pour transformer. Et la coopérative des agriculteurs producteurs de manioc de Batouri est une jeune coopérative créée en 2013. Elle a aujourd'hui 375 membres, dont chacun réalise à moins un hectare. Donc c'est une coopérative qui a réalisé pour la dernière campagne 157 hectares de culture de manioc avec des normes, des nouvelles pratiques culturelles qui peuvent améliorer le rendement. Il s'agira dans un premier temps de récolter pour transformer en urgence et satisfaire le marché que nous avons déjà. Il faut dire qu'on a des contrats d'achat pour la farine, pour les cossettes et pour l'amidon. Les acheteurs sont des agro-industries et des ménages. Vous savez que l'événement récent, c'est l'afflux de réfugiés dans la région de l'Est qui fait que les populations réfugiées consomment du manioc comme aliment de base. Par rapport à ces projets Agropole, la coopérative a permis aux populations d'augmenter leur superficie de culture grâce à une culture mécanisée. On utilise les tracteurs. Il y a un marché garanti, il y a un encadrement assuré pour les producteurs et vers le marché. Obtenir des tubercules demande de mobiliser quelques forces. Ici comme ailleurs, l'Agropole Manioc est employeur. Même les personnes du troisième âge y trouvent désormais satisfaction. J'ai cultivé un hectare. Malheureusement, au moment du labo, j'étais tombé malade. Jusque-là, je n'ai pas lâché. J'ai continué. Le peu que j'aurai, ça va me pousser mes enfants à l'école. Quelqu'un qui est parti d'un hectare qui se retrouve à 7, et même certains de 1 hectare, ils sont à 15 hectares. Je pense que c'est réellement dit la mission première du programme Agropole. La coopérative déjà emploie actuellement 15 personnes, dont des cadres, techniciens supérieurs, ingénieurs agronomes et des commerciaux. En perspective, dans 3 ans, la coopérative pourra recruter directement 29 personnes. Et comme emploi temporaire, on l'évalue à près de 300 personnes. La culture du manioc est une culture pratiquée par les femmes. Donc elle appuie cette dynamique des femmes dans la recherche de revenus, dans l'amélioration des conditions de la famille en général. Étant une source de revenus et alimentaire, la culture du manioc contribue à la lutte contre la pauvreté et à l'autonomie financière des ménages. Le manioc, c'est un produit formidable dont tout est consommé de la racine jusqu'aux feuilles. Les feuilles sont des légumes, naturellement, le pomme. Il s'agit d'un légume très prisé dans nos familles. Les tubercules, on peut consommer comme aliment de table, on peut consommer comme aliment de transformation. Donc, et les sous-produits de manioc sont assez nombreux. Du bâton que nous connaissons bien, qui passe comme complément avec du mintumba, et ça dépend des régions et des traditions. La coopérative réalise chaque année 5 hectares de semences. Les variétés viennent de l'IRAD, c'est des variétés améliorées qui ont des résistances pour certaines maladies comme la mosaïque et des variétés précoces également avec un rendement en moyenne de 25 tonnes à l'hectare. À terme, l'Agropole Manioc est appelé à tenir le rôle d'outil d'aménagement de la ville de Batouri. Qu'on nous taxe souvent des régions sous-scolarisées. Alors, nous ne faisons pas concurrence au tabac. Vous allez voir que si vous faites une analyse profonde de l'arrondissement de Batouri, vous allez voir que le planteur de tabac, après 9 mois de culture en brousse, de campement, il y en a qui s'en sortent avec 50 000 francs. Or, avec le manioc, pour un hectare par exemple, si un hectare nous produit 20 tonnes de manioc, en vendant seulement le kilo à 50 francs, si vous faites le calcul, vous pouvez estimer
ce qu'un coopérateur reçoit après une campagne de culture. Et en mettant en place ce grand projet structurant, nous voulons aussi mettre en place certaines politiques pour accompagner le chef de l'État, comme la politique de l'habitat. Quand vous parcourez l'arrondissement de Batouré, vous allez voir dans quelles conditions les populations se logent à cause de la pauvreté. Nous voulons, par ce projet, orienter, puisque nous sommes en train d'inculquer au niveau du coopérateur l'esprit coopératif. Et quand le coopérateur va vendre son manioc, nous allons dire « Ok, maintenant vous pouvez vous construire un logement décent, vous pouvez envoyer les enfants à l'école. » L'urgence, c'est de mettre en place des infrastructures de pré-transformation. Parce que nous avons déjà les contrats d'achat. Pas des infrastructures de pré-transformation, j'entends les aires de séchage, les bassins de trempage, les puits, pour nous permettre de faire les concepts dans un premier temps. En attendant de voir si en place on peut mettre une usine de transformation de manioc. Nous avons besoin des aires de séchage, nous avons besoin des bacs de trempage, nous avons besoin de camions pour la collecte, pour ramasser le manioc dans les champs. Nous avons besoin de motos, par exemple, pour la liaison entre les coopérateurs et nous, pour la supervision des activités. Parce que nous allons également les appuyer au niveau de l'usine, usine avec les équipements. Parce que le programme Agropole fait ce que les autres appellent chaîne de valeur. Nous partons de la semence, nous produisons, nous transformons et nous recherchons les marchés. Et pour ce qui est des marchés, ils ont déjà signé jusqu'à 2 marché. Donc l'enlèvement de la production est assuré. Sir Jam, la ville dont la création est la conséquence de l'agropole maïs. Sir Jam n'existait pas comme agglomération. La ville en gestation constitue l'émanation de la culture du maïs. Quand je viens ici, il n'y a pas une salle de classe à Sir Jam. Maintenant, il y a combien de salles? Il y a 8 salles aux écoles primaires, 4 salles au CS. On vient de créer même l'école bilingue. Ça a changé. Ça a beaucoup changé. Ça va venir même un chef de département. Il y a les autres qui viennent de Yagoua, de Kaélé, de Maroua, et ils accusent aussi beaucoup. L'administration se rapproche vraiment des administrés. La conquête des terres est active à Sir Jam. Ici aussi, le maïs se déploie dans l'espace à perte de vue. Là où je suis là, il n'y a pas voisin. Il y a la brousse, il y a le terrain pour cultiver. Il s'agit d'un préalable quand il faut procéder à une production d'échelle. C'est autour de 600-700 hectares. Ça va me donner 3 tonnes à l'hectare. La mécanisation agricole devient également une vérité. Son effectivité tient de la professionnalisation des emplois. On a le tracteur, on a le semoir, on a le chari, aussi épandeur urée. Nous avons les employés temporaires parce qu'ils viennent travailler au moment de semis, il rentre, il revient au moment des récoltes, des fois 40, 50. Toutefois, les locaux se plaignent de ne pas consommer leur propre maïs. C'est le maïs qui achète notre maïs. Au mois de juillet, que le maïs est fini dans mon magasin, les gens ne veulent pas acheter, j'ai vendu. Ils viennent acheter un sac. Alors je voudrais acheter les intrants agricoles, mais le maïs reste au magasin. Je ne peux pas les entendre. J'ai entendu jusqu'au mois de juillet. Ils ne viennent pas. Maïs qui m'a ramassé. Moi, j'ai vendu mon maïs 13 500. Au moment de la récolte, c'est 8 000, 9 000. Je ne vois pas quelqu'un comme Aladji Biri en train d'attendre avec des montagnes de maïs que les gens viennent prendre 5 kilos ou 10 kilos, alors qu'il peut vendre d'un tenant 50, 100 tonnes. Premièrement, j'ai demandé la route. Nous voulons la route. Ça nous complique acheminement de nos intrants agricoles et évacuation
nos productions, la route qui dérange. Il nous faut faire le tour du propriétaire pour savoir qui est en train de construire le pont. Est-ce qu'au-delà des ponts qui sont en train d'être montés, il n'y a pas une idée de reprofilage de cette route et de rechargement? Je demande à l'État aussi de nous amener le matériel agricole, le mentionnaire battage, le bulldozer pour battre les arbres, pour augmenter les champs. Vous voyez, ici, là, j'ai cultivé 15 ans. C'est déjà fatigué. Un seul agropole, ce ne serait pas rentable que le bulldozer soit que pour soja, maïs de sirgam. Peut-être Ourodolé qui est également à côté, et d'autres initiatives que nous avons dans la région. Parce qu'un bulldozer, quand on finit de travailler avec lui, parce qu'on a fait la déforestation, qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Ils ne font pas dans les travaux publics. Bien sûr, ils vont aussi racler la route, parce que Poli-Sirgam, la trentaine de kilomètres, c'est un parcours du combattant. Nous voulons installer la machine de transformation de maïs avec l'Agropole. Le programme Agropole vient se greffer à un ensemble d'autres mesures prises par les pouvoirs publics. Il y a les poules d'engins qui seront installées en région. Et ces poules d'engins, le nord qui est un grand bassin où on peut faire de la céréale, le sorgho, le mil, mais également le maïs que vous avez cité, nous pensons que le poule d'engins va beaucoup plus être utile pour cela. Le programme Agropole, en 5 ans d'existence, affiche fière allure. 40 agropoles existent désormais à travers le pays. Toutes les 10 régions sont couvertes. Il a déjà formé une centaine de tractoristes. Ce sont eux qui assurent les labours au sein des 240 entreprises agricoles créées. Le programme Agropole a aidé à la création de 3000 emplois directs et indirects. Statistiques 2017 exclues. Du temps et des moyens accrus donneront au programme Agropole de rendre encore plus effective l'agriculture de seconde génération.